Good morning, allez, Iden, les tutos aujourd'hui, le Lunishmat, le Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Aouda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Menachot, Perek Gimel, Mishnah Gimel, Shte Menachot Shel Lo Nikmetsu, Venit Arvu Zo Bezo. Im Yachol Likmots, Mizo Bifne Atzma, ou Mizo Bifne Atzma, Kshirot, Vim Lav Psulot. הקומץ שנתערב במנחה שלא נקמצה, לא יקטיר, ואם יקטיר, זו שנקמצה עלתה לבעלים, וזו שלא נקמצה לא עלתה לבעלים. נתערב קומצה בשיעריה או בשיריים של חברתה, לא יקטיר, ואם יקטיר, עלתה לבעלים. נטמע הקומץ והקריבו עציץ מרצה, יצא והקריבו עציץ אינו מרצה. אין עציץ מרצה. שהעציץ מרצה על הטמא, ולא מרצה על היוזה. כך נונות משנה, או קונטיניה פרנופת, דה מלאנג' דו קומץ דונדות מנחות, אלו פרמייה כעסה, שתי מנחות שלא נקמצו. עונדה פורלוממון, או בית המקדש, לא כהן עבד דבנוי, דו זוסטנסיל, הוא יבד דן דו מנחות, דה כן, ידו ופחלווה לקומץ, למד חוסווית דן זוסטנסיל ספציאל, le monter sur le mizbeach pour le brûler, d'accord? Donc on a pour le moment deux menachot, deux assiettes, avec chacun une mincha qui n'a pas eu son kometz, on n'a pas encore prélevé la pincée. Donc c'est shtei menachot shelo nikmetsu. Et ce qui s'est passé, problème de manipulation, nitarvu zo bezo, elles se sont mélangées les deux ensemble, l'une dans l'autre. La Mishnah m'enseigne, im yachol likmotz mizo bifnei atzma, ou miso bifne atzma kshera. Donc, on a pour le moment, on a les deux menachot qui ont été mélangés. La Mishnah enseigne, s'il reste une partie de la mincha qui n'a pas encore été mélangée, par exemple, ça s'est mélangé vers le milieu, mais sur les bords, on peut dire, ben ça c'est une mincha, et l'autre c'est l'autre mincha, et ben, le Kohen pourra prélever le kometz, il prélevera le kometz d'abord de cette partie-là, et après le kometz de cette partie-là. Ça c'est donc im yachol likmotz mizo bifne atzma ou mizo bifne atzma kshera. S'il a encore la possibilité de prélever le kometz, la pincée de l'une indépendamment et de l'autre indépendamment, kshérot, elles sont encore kshérot. Veim lav psulot. Par contre, si elles se sont tellement mélangées au point où que s'il va retirer le kometz de l'une, il va y avoir dedans un petit peu de la mincha de l'autre et inversement aussi. Donc là, il ne pourra plus offrir cette mincha, parce qu'il y a une halakha, le Bartanura nous rapporte dans le premier Bartanura, il dit « D'amar bedorat kohanim, misolta velo misolet shal chaverta ». Il y a quelque chose, il y a une halakha particulière, où le kometz, il doit être un pur sang de la mincha, et pas de la mincha d'une autre. Misolta de lui, de sa semoule à elle, et pas de sa semoule d'une autre. D'accord ? C'est une phrase spécifique qui a été dite d'ailleurs, qui va se retrouver de nouveau dans le nouveau cas de la Mishnah. Qui me dit Akomet shinitarev ba mincha shelo nikmetsa. Cette fois-ci, on va parler d'un autre cas de figure. Il y avait devant lui deux menachot dans deux assiettes. Il a prélevé le komet de l'une. Pour le moment, tout va bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de mettre dans l'ustensile, il s'est trompé au lieu de mettre dans l'ustensile où il devait mettre ce komet pour le monter sur le misbéar. Il a mis dans la mincha, dans l'autre mincha. Donc on a eu un kometz, la pincée, qui s'est shenitarev ba mincha shelo nikmetsa, qui s'est mélangé cette fois-ci dans une mincha qui n'a pas été encore, de laquelle on n'a pas encore prélevé la pincée. La Mishnah m'enseigne lo yaktir. Il a un problème technique, c'est qu'il ne peut pas faire monter cette mincha sur le misbéach. On a une halakha, que de la mincha, de l'oblation, il faut prélever quelque chose que l'on va amener au misbéach. On ne peut pas prendre toute l'assiette et partir brûler tout le contenu au misbéach. Il faut nécessairement la prélever. Or, là, lorsque ton kometz, ta pincée s'est mélangée dans cette mincha, eh ben, la mincha dans la mincha dans laquelle ça s'est mélangé, elle, tu ne pourras plus lui faire la kmitza, puisque tu ne pourras plus prélever la pincée en 100% la deuxième mincha. D'accord ? Selon le même principe. Quand on prélève la mincha, il faut que ce soit du 100% la mincha. 100% d'une mincha et pas de l'autre. Or là, le kometz s'est mélangé partout. Si ça se trouve, tu vas prélever une pincée, il va y avoir dedans
quatre petits grains de semoule qui vont appartenir à l'autre Metz, donc c'est pas bon, tu peux plus la prélever. Donc, l'Oyaktir, la Mishnah enseigne, tu pourras plus la prélever, parce que elle, intégralement, tu peux pas la brûler telle qu'elle. Le Kometz, eh ben tant pis, ça fait que t'as raté les deux Menachot. Celle qui a été prélevée, elle n'a pas été offerte, donc ça a été raté. Et l'autre, tu peux plus la prélever. Chacun devra, on devra rapporter de nouvelles Menachot à la place. D'accord ? Bah, malgré tout, la Mishnah enseigne, Vehi Miktir, toutefois, Vehi Miktir, s'il a malgré tout, il a pris le tout, il est parti, il a brûlé quand même sur le misbar, eh bien, Michel m'enseigne bien. Zoshnik Metsa, Alta la Bealim. Celle qui a été prélevée depuis le début, que tu as prélevé la pincée, Alta la Bealim. A posteriori, il s'acquittera de son devoir. Pourquoi ? Parce qu'il a eu une mincha, finalement. Il a eu sa mincha qui a été. De laquelle on a fait la kmitsa, et que finalement, on l'a monté sur le misbar, il n'y a eu aucun problème. Tandis que Zoshalonik Metsa, l'Alta la Bealim, celle de laquelle on n'a pas fait le commerce, on n'a pas prélevé la pincée, le propriétaire ne se sera pas acquitté de son devoir. D'accord ? Il n'aura pas, puisqu'il a eu, il aura porté une mincha, de laquelle on n'a pas prélevé le commerce, on l'a pris intégralement, on l'a jeté au feu, ça ne marche pas, c'est pas comme ça qu'on fait une mincha. Maintenant, nouveau cas de figure. Nit'arev kimtsa beshi'areha ou beshi'raim shel chaverta. Cette fois-ci, le Kohen a fait quelque chose, il a fait une autre erreur. Il avait la mincha devant lui, il a prélevé le kometz, il devait le mettre dans un ustensile à part pour pouvoir prendre ensuite cette mincha, ce kometz, et l'amener au misbeach et le brûler. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a rejeté dans cette même mincha-là. Après qu'il a prélevé l'échantillon, il a remélangé dedans. D'accord ? Ou encore, même cas de figure, c'est le même principe, il a pris l'échantillon, il l'a jeté dans une autre assiette où il y avait dedans des restes d'une mincha, des shiare mincha, des restes de mincha, c'est-à-dire une mincha de laquelle on avait déjà prélevé l'échantillon. Là, il y a un autre problème. Alors on va, puisque ça vient en même, on va juste parler du cas où il a prélevé l'échantillon, et puis après il a remis dedans. Là, on a l'avantage d'avoir une mincha qui a été nikmetset. On a prélevé l'échantillon. En théorie, on pourrait prendre le tout et le brûler. Et tant pis pour les Kohanim, ils ne mangeront pas le reste de la mincha. Seulement, il y a un problème, c'est que la Torah, elle a donné un interdit spécifique sur ça, qui me dit « Lo taktiru mimenu ishel Hashem ». Le Bartan me rapporte « Lo taktiru mimenu ishel Hashem ». Vous ne brûlerez pas d'elle un cadeau au feu pour Hashem. Et la Mishnah, la Gemara déduit « Kol shem mimenu laishim aru bebal taktiru ». Toute chose que je prélève quelque chose de lui pour le mettre, pour l'offrir au Misbéach, au feu, lui-même ne pourra plus être brûlé brûlé sur le Misbéach. C'est-à-dire, succinctement, c'est très simple. Ouais, là, j'ai voulu rester proche des mots, c'est sorti une phrase un peu bizarre. Le principe, il est simple. Lorsque tu fais une mincha, tu dois prendre une pincée et l'offrir à Hachem, le brûler sur le Misbéach. Le reste, il y aura désormais un interdit de brûler cela au Misbéach. Il y a le même interdit qui se retrouve dans un korban. Quand tu vas faire un korban, on l'égorge, ensuite on va retirer certaines graisses qui vont monter sur le misbéach. Puisque de ce korban, il y a des parts qui montent sur le misbéach, le reste qu'on t'a pas demandé de le monter au misbéach, il y aura un interdit de le brûler sur le misbéach. On a prenait ça dans Zvachim. D'accord ? Il y a plusieurs mishnayot qui ont parlé de ça. En tout cas, kol shemimenu laishim, aru bebal taktiru. Desquelles tu dois prélever certaines parts pour les monter sur le misbéach, il y aura sur le reste un interdit spécifique de ne pas faire brûler sur le misbéach le reste. Selon ce principe, donc, lorsque tu as prélevé ton kometz, lui, il doit monter sur le misbéach pour être brûlé. Le reste, il y a un interdit de la Torah de le faire monter sur le misbéach. Lorsque ton kometz se mélange à lui, tu peux être un interdit de faire brûler le tout. Donc la Mishnah m'enseigne. Nitarev comme ça, b'shirea, ou b'shirea, im shel chaverta. Le kometz a été mélangé avec ses restes, avec le supplément de cette mincha, ou bien avec le reste d'une autre mincha. Lo yaktir, il ne pourra plus le brûler sur le misbéach. Mais malgré tout, v'imiktir alta la bealim. Si toutefois, il a malgré tout brûlé, il a pris le tout, il est parti, il a fait monter sur le misbéach, il se sera quand même acquitté de son devoir. Il aura transgressé un interdit, mais il aura quand même, malgré tout, l'interdit, il était sur le supplément, mais le comète lui-même qui est monté sur le misbéach, lui, par rapport à lui-même, il n'a aucun problème, il a été brûlé comme il se doit. Alta la bealim. Dernière halakha de la Mishnah maintenant. Un sujet aussi qu'on a vu dans le Zvachim, Nitma hakometz vehikrivo atzitz meratze. Je traduis.
si le comète, une fois qu'il a prélevé et qu'il a mis même dans l'ustensile, il a été impurifié. Il y avait par exemple là-bas un chéret, tamé ou peu importe, il a été impurifié ce comète. Et le Kohen, il n'a pas fait attention, ou bien, ouais, il n'a pas fait attention, et après il a quand même monté sur le misbéach. Après il réalise qu'il y avait, en fait, dans l'ustensile, il y avait là-bas un bout de. Une patte de souris ou peu importe, quelque chose qui rend impur. Il s'est dit, oh là là, j'ai fait monter un comète impur sur le misbéach, de manière où c'est sûr que ça a touché. Et bien, la Mishnah enseigne, malgré tout, il se sera acquitté. Il y a une halakha spéciale, comme on va l'expliquer tout de suite. Pourquoi? Non, c'est pas encore dit tout de suite. Par contre, je reprends. Nitma a comets veikrivo. Le comets, l'échantillon, il a été impurifié. Et il a malgré tout fait monter sur le misbéach. Atzitz meratze. Le tzitz, le fronteau du Kohen Gadol, valide malgré tout ce korban impur. Tandis que, on va expliquer bien sûr, ne vous inquiétez pas. Yatsa veikrivo. Par contre, si toutefois le comets, par erreur, on l'a pris, on l'a mis dans l'ustensile, et puis le Kohen, il est sorti avec l'ustensile du Beth Amikdash, puis après il est rentré. Enatis meratze. Le fronteau ne va plus valider a posteriori ce comète qui a été invalidé. Pourquoi? Chatis meratze à la tamé. Car le fronteau a la capacité de valider a posteriori le tamé, le korban qui a été impurifié. Venomeratze à la yotze, mais il ne valide pas a posteriori le yotze, le korban qui est sorti. Très rapidement, le Kohen Gadol, il avait plusieurs vêtements. Il avait Shmoné Begadim, 8 vêtements. Chacun était là pour être mechaper, quelque chose de spécial, pour expier certaines fautes. D'accord? Rien que par le fait que le Kohen Gadol les portait, il expiait certaines fautes. Il y avait là-bas le fronteau, un pasouk méforage de la Torah qui me dit que le Kohen, il devra le porter sur le Mitzro, sur son front. Et le pasouk dit, Benassa Aaron et Avon à Kodashim. Et par cela, Aaron, donc qui était le Kohen Gadol, supportera les fautes faites par dans les Kodashim. Si on a commis quelques petits écarts dans les Kodashim qui n'ont pas été offerts comme il se doit, on a fait quelques petites erreurs, a posteriori, grâce à cela, ouais, ça expie malgré tout. D'accord? Donc grâce à cela, donc on déduit là que des petites fautes. De quelles fautes on parle? Là, le Mishnah vient comparer deux Averot. Une du Korban qui a été offert alors qu'il était impur, et l'autre du Korban qui a été offert alors qu'il est sorti dehors. Et la Mishnah vient, me fait une sélection, et me dit, tu sais, pour l'impureté, a posteriori, ça atteste malgré tout, tandis que le fait de sortir n'atteste pas. Pour quelle raison? La Mishnah explique, la Gemartano et Rallonge pour nous expliquer, que l'impureté, c'est une faute qui est parfois levée au Beth Amikdash. On a déjà évoqué le sujet quelques fois, je ne sais plus comment, mais en tout cas, que dans certains cas de figure, on peut apporter des commandantes alors qu'on en est tous impurs. Spécialement, c'est connu ça pour le Korban Pessah, mais en fait, tous les korbanot que l'on doit apporter pendant les fêtes, si tout le peuple d'Israël est impur, on a le droit d'apporter le korban alors qu'on est tous impurs. C'est Hutra Betzibur, Touma Hutra Betzibur. L'impureté a été permise en public, pour les korbanot publics spécialement. De ce fait, donc tu regardes que l'impureté, même si c'est très grave, mais malgré tout, dans certaines situations, on lève l'interdit. De ce fait, on déduit de là que ce type de avéra, a posteriori, lorsque un Kohen il a offert un korban même d'un particulier, alors qu'il était impur, le fronteau va permettre. C'est ça ce que la Torah a permis quand on a dit « Benasset avon akodashim ». Tandis que le fait de sortir, c'est une faute qui n'est pas tellement permise, même si c'est oui, malgré tout permise, comme il nous rallonge le partenariat, car on a trouvé dans certains cas de figure où des korbanotes peuvent sortir, comme c'était le cas avec Nov et Givon, où il y avait des bamotes, comme ce qu'on apprenait dans la fin de Zvachim, dernier périple de Zvachim. Malgré tout, la Torah l'a dit, Venasa et Avonoshin, l'ifne Hachem, devant Hachem. De là, on déduit que seules les fautes, les petits écarts, les petites erreurs qui sont faites, mais tant que l'on est l'ifne Hachem, qu'on reste encore au Beth Amikdash, ça permet, et pas les fautes qui se passent à l'extérieur du Beth Amikdash. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.